Certains classiques en deviennent des plus grands par ce qui s'est passé à côté. Que ce soit parce qu'il y a une certaine aura qui entoure le long métrage, que ce soit parce que l'auteur aux commandes apporte un petit quelque chose de particulier au film, ou que ce soit tout simplement parce qu'il s'est passé beaucoup trop de choses lorsque le long métrage s'est fait, il y a de ces films que l'on connaît, que l'on aime, que l'on adore même, parce qu'ils sont à part dans le résultat qui en découle. On aime ces films parce qu'ils possèdent une forme, un contexte, une création si particulière, si unique, si folle dans leur logique de développement et d'acheminement devant notre regard, que l'on ne peut que se passionner pour l'œuvre qui se met alors en place devant nous, et en ce sens, c'est pour cela qu'elles arrivent aussi bien à traverser le temps, à rester dans les mémoires, à s'inscrire comme des œuvres atypiques et comme des reliques parfois d'un autre temps qui inspirent les foules et marquent les cinéastes. Et dans le genre, le film que l'on va évoquer aujourd'hui en est la représentation parfaite. Un film qui est connu pour s'être fait dans la douleur, celle d'un auteur cherchant à accomplir quelque chose d'unique, de singulier, de complètement fou même, et qui ne sera que le début d'une immense carrière faite quasiment uniquement de cela, mais aussi d'une production, pré-production et post-production qui lui vaudra une série de nombreux articles et une réelle fascination de la part des cinéphiles pour le parcours renversant que son auteur aura accompli. Werner Herzog, au travers de son troisième long métrage, a souhaité faire quelque chose de rare dans le monde du cinéma. Livrer quelque chose qui marque les esprits, qui sonne comme unique, comme singulier, comme fascinant même par de très nombreux aspects, mais surtout, qui rappelle à quel point une œuvre de cinéma, c'est avant tout un voyage, une proposition faite au spectateur, certes, mais aussi un voyage de la part de son auteur, de la part d'un cinéaste, ne cherchant pas uniquement à raconter une histoire, mais à faire de son film une histoire à part entière qui vaille la peine d'être vécue et racontée. Plongeons donc dans les méandres de la jungle et dans l'esprit torturé d'Aguirre, que l'on surnommait la colère de Dieu. C'est avant tout une histoire simple qui porte cette aventure complètement folle. Indéniablement, si le film peut sembler fou dans sa composition, dans son tournage, dans sa peinture d'une aventure proche de l'expérimental que l'on aura l'occasion d'évoquer ensuite, c'est dans la forme que Werner Herzog souhaite insuffler à ce qui fera la puissance de son épopée, un minimalisme constant. Le scénario semble proche de l'évocation spontanée de la conquête de ce personnage fantasque, manipulateur, dominateur et littéralement fou, et c'est dans cette simplicité de composition et d'exécution que le réalisateur et scénariste trouve le bon geste pour donner à son scénario une crédibilité qui fascine et qui passionne au fil de la plongée de ses personnages dans une forme de folie ambiante. Si l'on parle souvent de brouiller les frontières entre réalité et fiction, il est évident qu'Herzog ne fait pas simplement que les brouiller, mais fait en sorte que la fiction devienne une forme de composition hyper réaliste et documentée, d'une aventure sonnant comme aussi folle que les personnages qui sont en son centre. Et cela, la mise en scène poussera cette idée aussi loin. Si l'on retient ce film, ce n'est pas uniquement par le biais de son récit. Avant d'évoquer le chaos qui régnait sur le tournage, et de manière plus générale sur la composition totale de ce film, il est important de rappeler qu'avant tout, le film est la vision d'un auteur qui ne voyait pas le cinéma comme les autres, et qui au travers de ce troisième long métrage de sa carrière, cherchera à en poser les bases. Herzog est un auteur fasciné par une forme de démesure, mais une démesure concrète, une démesure proche de ses personnages, proche de leur caractère et de la folie souvent de celui-ci, et dans sa mise en scène ici, dans des cadres absolument fous où le gigantisme frôle souvent l'intime, où la folie d'une vision d'auteur rare et l'envie profonde de rester les pieds sur terre de la part d'un réalisateur unique, deviennent les éléments principaux d'un besoin constant de la part de Herzog de faire de sa caméra un œil presque perdu au milieu de cette folie. Non seulement on croit à la générosité visuelle et graphique de ce film, mais en plus, on sent que le metteur en scène allemand n'a pas cherché à user d'artifice, mais de faire de sa mise en scène l'artifice le plus logique de son œil d'auteur, rendant le film absolument parfait. C'est renversant de puissance et imposant par sa démesure esthétique. Et là, on rentre dans le dur du dur. Car si ce film est connu donc, c'est avant tout par le chaos, que dis-je, la folie générale qui a poussé ce projet à prendre cette forme, à devenir ce film qui est rentré dans l'histoire du cinéma et qui s'est imposé comme l'une des œuvres les plus complexes à faire pour son auteur et célèbre pour la difficulté de son tournage. Accouché dans une douleur immense, avec un tournage donc prenant énormément de retard, des équipes techniques complètement perdues sur le plateau qui était littéralement la jungle, la plus inhabitable possible, Werner Herzog a tout de même cherché à faire de son récit quelque chose d'accroché à la réalité. Et cette réalité, il a voulu
voulu la capter sans trop d'effets, sans trop d'esthétisme, sans trop d'éléments apportant de la fiction à une image qu'il souhaitait proche du documentaire et qui deviendra par la suite la marque de fabrique de son cinéma. Tout cela, combiné à la démesure évidente du projet lorsque l'on prend le temps de regarder l'œuvre, donne un ton unique à ce moment de 7e art, une atmosphère, une forme aussi hypnotisante que captivante qui donne lieu à un moment de cinéma rare, déchirant et enivrant même par moments. C'est fantastique, et pourtant, ce n'est pas la folie la plus importante de ce film. L'autre point, entre guillemets, fou, c'est la collaboration qu'il y a entre l'acteur et le réalisateur de ce long métrage. Une collaboration née pourtant d'une amitié dans un dortoir entre un jeune réalisateur en devenir et un homme cherchant à être acteur, et clairement la rencontre, bien au-delà de donner lieu à une performance explosive, celle-ci en elle-même fut littéralement déchirante et fascinante et deviendra l'une des plus grandes collaborations du 7e art. Klaus Kinski est un acteur qu'il faut voir comme tel, car l'humain qui se cache derrière est absolument détestable, voire même, on peut le qualifier ainsi, tout simplement horrible et ignoble. Mais la performance qu'il délivre ici, entre les mains de Werner Herzog, est tout simplement parfaite. À mi-chemin entre la composition flegmatique et presque endormie d'un protagoniste vil et manipulateur, mais également une folie de chaque instant qui donne lieu à des scènes tétanisantes où l'on ne sait plus si le réalisme est un bon choix ou s'il laisse l'opportunité à l'acteur d'aller beaucoup trop loin. Mais une chose est sûre, cette performance est légendaire et elle donne un cachet indéniable au long métrage tout du long de la prestation folle et captivante d'un acteur magnifique, mais également terrifiant à la fois. C'est unique. Ça glace le sang, et pourtant ça marque. Dès le premier visionnage de cette œuvre folle, on ressent quelque chose de rare. Quelque chose qui se ressent devant finalement peu de films, et même de moins en moins aujourd'hui. Cette sensation fine et pourtant si subtile que la barrière entre le cinéma et le documentaire, entre la fiction et la réalité, entre la crédibilité et la sincérité, est totalement brisée. Pour ne faire qu'un seul et même élément, une plongée hypnotique dans un moment rare. Werner Herzog poursuivra cela tout du long de sa carrière, jusqu'à atteindre ce point fou avec Fitzcarraldo, mais il est indéniable que c'est vraiment au travers d'Aguirre, la colère de Dieu, qui a su toucher du bout du doigt l'essence même d'une singularité, d'une logique de création et de composition qui ne fasse pas que nous faire voyager, mais qui nous fasse également ressentir une logique de création audiovisuelle singulière qui nous hypnotise à chaque seconde d'un moment rare où l'on ne sait plus si l'on regarde un aventurier perdu en pleine jungle ou bien une équipe de production qui cherche à avancer dans un enfer fait de vert et de marron, dans un chaos cohérent mais également symptomatique d'un cinéma qui veut aller loin, peut-être trop loin, mais que l'on aime. C'est tout cela qui fait de ce film un chef-d'œuvre, un classique, mais surtout un monument de folie humaine.